Bonjour à tous, vous êtes sur les bons services, je vais vous donner un coup de main un petit peu. Je viens de tester un téléphone, j'en suis pas déçu du tout. C'est le Honor Play. Donc, je trouve que c'est un très bon téléphone pour le prix. J'avais le Galaxy S7 Edge, je voulais passer au S8. Du coup, je suis passé au Honor Play. Tout fonctionne dessus. Ce téléphone, c'est un très bon produit. Que ce soit au niveau batterie, au niveau photo, au niveau jeu. Je mets Fortnite, il lag pas du tout. Je vais vous faire une petite vidéo. Là, je vous fais montrer un petit peu l'interface du téléphone en lui-même. Il est propre. Hein. Il est rapide. Vous avez vu? On peut changer les thèmes qu'on veut. Même l'écriture. Au niveau des messages, hein, je vais vous faire montrer. Même bloquer quelques applications. C'est parti. Hein. Je vous fais montrer quelques petits messages. Au moins. Vous voyez? Dans lequel je vais changer. Vous voyez l'écriture en italique. On peut tout modifier. Je suis pas déçu. Je me plains pas. Même au niveau photo, je vais vous faire montrer quelques photos. Regardez. Je vais prendre une photo. Hein. Vous allez voir. Hein. Et une photo de face. Qualité d'image en selfie, hein. C'est propre, c'est propre. Moi, je vous le dis, vous n'allez pas être dessus du téléphone. Hein. On va essayer plusieurs choses. Hein. Si vous voulez voir une vidéo Netflix, je vais vous mettre Netflix. Donc, moi, à chaque fois, j'ai bloqué les applications. On peut bloquer les applications du téléphone comme WhatsApp, Messenger. Si vous voulez pas que vos enfants voient sur les photos, allez, je vais mettre. Une vidéo, hein. Au moins vous voyez comment ça tourne. Hein. Bah, je suis pas déçu de ce téléphone. Hein. J'en suis même content. Même au niveau son. Hein. Donc là, là vous avez le reflet. Hein. Je vais fermer un peu le rideau. Hein. Voilà, j'essaie de fermer le rideau pour éviter le reflet. Donc moi je suis fan de manga, hein, donc voilà. Tu crois que c'est l'un des Seven Deadly Sins? Pour les connaisseurs. Waouh! Ah là là, ce téléphone... C'est une tuerie. Donc je vais vous expliquer un petit peu sur la deuxième vidéo, la seconde vidéo qui va arriver. Vous allez avoir une interface directement du téléphone. Et je vais vous l'expliquer assez rapidement. Comme ça, vous allez pouvoir voir comment il fonctionne au niveau thème, pour modifier les thèmes et tout ce qui s'ensuit. N'hésitez pas. Je veux dire que même moi, je cours avec... toutes les applications fonctionnent sur celui-ci. C'est un très bon téléphone. Ouais, là, c'est des gilets jaunes. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus pour une utilisation du téléphone? Simple, il y en a largement assez. Pour le prix, c'est 320 euros. Si vous prenez des photos, vous allez en être content. Parce que moi, quand je prends des photos, la preuve, je vais sur la région parisienne, je prends des photos de loin. De là, de... Je vais vous faire montrer. Hein. Donc, les photos que j'ai prises. Hein. Donc, voilà. C'est-à-dire que c'est comme une qualité. C'est pas. Voilà, c'est très bon même. C'est très bon pour le téléphone. Il n'y a pas à dire. Je suis pas déçu. Et j'en suis content. Donc, même. Là, la coque, elle est remise avec. Hein. J'ai vu le téléphone au niveau de la prise en main. J'ai vu bien trempé sur ses discounts. Prise en main, c'est nickel. J'espère qu'il n'est pas gros. Vous avez les deux objectifs. Vous avez l'empreinte digitale qui est bien placée, moi je trouve. La preuve pour l'ouvrir, une demande, mon empreinte
Et hop, c'est parti. Et hop, ça c'est mon téléphone. Il est propre. Rapide. On peut jouer à tous les jeux. Sans exception. Tous les jeux. Voilà. Je cours avec. Et les jeux. Tous les jeux. Sans exception. Des jeux qui prennent beaucoup de mémoire. En plus, là, le minimum, c'est 64 €. Si vous voyez bien, j'ai bien Fortnite qui est installé, qui prend, il faut vraiment une carte graphique énorme. J'ai même pas besoin de vous le tester. Hein. Je vais tester un jeu pour vous faire montrer. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un jeu qui prend beaucoup de mémoire. Vous allez voir, là j'encaisse le chèque. Hein. C'est un FPS, il est connu. Hein. Donc je joue souvent, hein. Je mets une manette également, les manettes sont compatibles des vues. Donc vous achetez sur AliExpress. Ouais. Ah, ça rate pas du tout. Hein. Ah, c'est un très bon téléphone, vous n'allez pas le regretter. Vous pouvez jouer à n'importe quel jeu. Hein. La preuve. Hein. Ah. Vous voyez, ça rate pas du tout. Aucun lag. Alors là, c'est vraiment une console de jeu hein, à portée de main. Et je regrette pas ce téléphone, que ce soit au niveau photo. Et la coque elle est offerte avec, sachez-le. Vous l'avez hein, quand vous commandez le téléphone. Vous avez qu'il vous tout, vous avez tout ce qui est nécessaire. Après, si vous voulez des coques, allez sur AliExpress. Hein. Je vous le conseille, c'est pas très cher. Hein. Vous allez les trouver directement. Hein. Sinon, sur ces discounts. Voilà. Si vous voulez avoir des informations, là, je vais vous faire montrer notre interface directement pour voir moins le fonctionnement du téléphone.